Hey Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Driagan. Et on se retrouve deux secondes, Freddy. Qu'est-ce que t'as? Ah d'accord. Freddy, t'étais tout excité derrière la porte, hein. Allez, viens avec moi, frérot. Et on se retrouve donc pour la suite de Final Fantasy Security Breach. Oui, enfin nous avons donc nous commençons la suite de Final Fantasy Security Breach. Parce que oui, je n'avais pas encore continué tout simplement. Parce que je voulais faire aussi d'autres vous proposer d'autres vidéos. Où je dois passer moi? La tête de Wham. Ah, ça m'a pas manqué vos putains de lags, hein. Ça m'a pas manqué. Ah, vos lags, sa mère, c'est pas ce qui me manque, hein. Et je sais même pas où il faut aller. Je me dirige à un endroit que je ne sais même pas. Voilà, ça c'est la cuisine, vive la pizza. Sa mère. Le fromage et le gruyère. Et bien sûr du camembert. Tout ça. Mais... Ah, Freddy, tu ne m'as pas manqué avec ta batterie à 2€. Ah, je te jure, tu ne m'as pas manqué. D'accord. Alors, j'aime bien, tu me détectes, hein. Mais what the fuck? J'adore quand le jeu commence et que ça bug comme ça avec plein de chica qui pop. Enfin, chica qui pop dans tous les sens alors que je ne peux pas être détectable dans le robot. Merci jeu. Merci. Hein, je me dis que si je dois refaire le jeu pour débloquer les autres fins, ça va être très très relou. Et pourquoi très très relou? Tout simplement bah parce que, comme vous voyez, le jeu bug puissance 1000. Voilà. Vous voyez que il y a qui c'est que je pense qui vient de pop. Alors qu'elle n'est pas censée nous suivre. Vous voyez, regardez, elle pop juste à côté de nous. Alors qu'elle devrait pas, hein. Elle devrait potentiellement pas du tout faire ça, hein. Alors, je crois savoir où on va devoir aller. Je crois que... Dans les deux cas, de toute façon, toi, ben... Je ne peux pas te recharger, Freddy. Je vais devoir me défendre moi-même. Je vais devoir me défendre moi-même. Ouais. Ok, il faut chacun des petits tours, des petits tours, des petits tours et des petits tours. Voilà. Il faut trouver donc, il faut aller, je pense, vers l'ascenseur qui va nous faire descendre. Je crois savoir où je dois aller. Mais... Ah bah, c'est maintenant que j'apprends que je peux courir pendant que je fais ça. Ceci est excellent. Ok. Je peux courir en étant accroupi. Et honnêtement, ça ne me donne rien. Enfin, ça me booste pas ouf. Roxy, je la vois. Normalement donc on a plus affaire à. Ils sont où ces ascenseurs d'armoire moelle-neu?
C'est où ces ascenseurs? What? Je suis pas vers le bon truc. Ah, peut-être là, oui. Ça me ramènera au rez-de-chaussée. Et là, je peux recharger mon copain Freddy. Ah non, ça le TP directement dedans, hein. Voilà, ça TP instantanément Freddy. Dans les deux cas, on va y aller sans toi, Freddy. On va y aller sans toi. Je commence à prendre légèrement mes repères, mais légèrement parce que c'est quand même assez grand. Et le jeu n'est mal indiqué parce qu'il ne te dira pas où tu dois aller. Tu dois te démerder. Alors, je sais pas si on peut aller chez Roxy. Je suis en train de me demander. Maintenant qu'elle est plus dedans actuellement. Ouais, on peut aller chez elle. On peut ouvrir? Ah, c'est ouvert. Ouais, par contre, toi, tu te TP, tu prends des raccourcis, Freddy. Allez, ta gueule, voilà. Oh putain, il a ouvert la porte de bâtard. Bah, y'a rien ici. Ah, y'a un ascenseur. Freddy, viens. Merde, non. Ah bah, il est niqué, Freddy. Ah bah, au revoir, Freddy. Au revoir, Freddy. Attends, c'est moi où il est en train de faire tout le chemin inverse pour essayer de me suivre? Putain. J'ai vu ses lumières passer. Oh, il va venir par là. Je vous dis que quand j'ouvre, il va être là. Je vois des lumières. Je m'en... Ah putain, hey, Freddy, faut que t'arrêtes tes bêtises. Hein. En plus, le jeu fait des bruits bizarres à cause de toi, frérot. C'est pas normal. Freddy ! J'allais dire au pied. Mais non, quand même pas. Amélioration de Chica. Ouais, nous devons ouvrir la cavité thoracique de Freddy. Retirer le nœud papillon de Freddy. Good job. Now remove the chest plate. Ok. Oh oui. Oh oui, j'ai bien fait de faire. J'avais un mauvais pressentiment, j'ai bien fait de passer la souris. La manette, à mon avis, il y a des chances que ça fasse de la merde. Ouais. Oula, c'est pas fini, attention. What? C'est quoi ces bruits? Bleu, vert, rouge. Bleu, vert, rouge, rouge. Bleu, vert, rouge, rouge. Bleu, vert, rouge, rouge, jaune. Testing phase complete. Activating safety protocols. Ok. Et t'as des gros panneurs, Freddy. Sa mère. Ah, mais fais gaffe. Après, faut faire quoi? Ah, terminer l'amélioration. Et
Oh merde. Ah, il va nous tuer. When I was in the kitchen earlier, she fell into some sort of garbage smasher. Is she okay? Well, she's still functional. Elle fonctionne encore. With this new voice box, I should be able to make a vocal pitch that will stun animatronics. Wow. Rendez-vous à une station de recharge. Ah mais lui il vient toujours nous casser les nounouilles hein. Toujours nous pour nous casser les nounouilles. Ah il est bientôt 5h du matin hein. Ouais je reste dedans, on sait jamais s'il y a un bug et que le Moondrop passe à travers et me tue, non merci. Non non, encore sera un bug de temps en temps, une fois ou deux ça va mais non non. Là on va dire qu'on est blindé niveau bug dans ce jeu. Voilà, trouve un moyen d'arrêter Roxy dans le Roxy Raceway. Ok. Ouais. Je cherchais surtout un moyen de sauvegarder. Mais il n'y a pas l'air d'avoir un seul moyen de save. Ah, peut-être dans la loge de Freddy, on sait jamais. Freddy, viens, on va dans ta loge. Il y a peut-être un moyen de save. Par contre, il dit qu'il y a un moyen donc de faire Ah, mais c'est ça? C'est ça son moyen de distraire les animatroniques? Il vient de faire un bruit bizarre? C'est ça le truc? C'est ça ton truc qui permet de... De distraire les animatroniques, mon Freddy? Ça me paraît chelou. Très très chelou. Donc là, maintenant, notre mission. Ok, améliorer Freddy au service de pièces et entretien. Bah, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Alors, je trouve bizarre que l'améliorer Freddy au service de pièces et entretien ne s'est pas enregistré. Et trouver un moyen d'arrêter Roxy dans le Roxy Raceway. Eh ben, allons Roxy Raceway. Et il faut repasser par là-bas. Je me demande si on pourrait aller dans la loge de Monty. Ça doit être fermé, hein. Non, c'est ouvert! Oh mon dieu! On peut y aller maintenant? On doit avoir le truc de assez haut niveau en termes de sécurité. C'est cool! Ah, mais il a tout saccagé! Oh! Mon dieu, qu'est-ce qu'il a tout cassé? Mais qu'est-ce qu'il a foutu du bordel, ce pignouf! Qu'est-ce qu'il a foutu du bordel dans sa loge? Ah bah, il se plaignait de Freddy, mais alors lui, t'inquiète pas, hein. Il se plaignait de Chica qui a fouillé les poubelles de réduire la thune donnée aux employés, donc aux cuisiniers, mais alors lui, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, hein, mais il a tout défoncé, lui. C'est un vilain coquin, lui. C'est un vilain petit coquinou, hein, le petit Monty. Donc il faut aller au Roxy Raceway. Roxy Raceway. Et il faut passer par là.
toute façon, s'il y a un animatronique qui apparaît comme ça, on lui fait un coup de blaster. Et c'est tout. Oula. Ah oui, c'est vrai. Les 4-5 gigas de mise à jour dans la gueule pour rien. Ah, je ferai que me répéter, mais... Franchement, j'aurais préféré attendre un an de plus, hein, que de me coltiner un jeu qui bug comme ça, les frères. Viens avec moi, Freddy. Freddy, t'es quand même dans un sale état, mais viens avec moi. Ça me permet de pouvoir passer sans utiliser trop ma lampe torche ou quoi que ce soit. Freddy ? Où est le Roxy Raceway, à ton avis ? Et dépêche-toi de répondre, parce que tu es comme une... Tu es que dalle en batterie. Donc, ce serait très très chaud. Le Roxy Raceway. Mm-hmm. Là-bas. Quand on va s'occuper de Roxy. On va faire du bien. Bon, en soi, s'ils sont méchants, je pense que c'est parce qu'ils doivent être contrôlés par un animatronique bien plus vénère que eux. Moi, je dis, ils sont contrôlés par un animatronique, c'est obligé. Ils peuvent pas être autant méchants comme ça, quand même. Closette. Voilà, c'est là qu'il faut aller, à mon avis. Ouais, c'est là qu'il faut aller. Attends, quand on va s'occuper de Roxy, mamma mia, ça va faire mal. Qu'est-ce qu'elle va subir, sa mère? Elle va manger sa mère. Bah, la sauvegarde, moi je dis pas non. La recharge de Freddy, bien sûr, en x2, hein. Faut bien qu'il récupère totalement son énergie. Tu me lâches, Freddy, bien sûr. Hein. Pour l'instant, honnêtement, je n'ai pas besoin de toi. La batterie, elle s'est usée un petit peu, on va la garder. Je me demande si on est bien passé au Roxy Raceway. C'est la question que je me pose. Non. Le Roxy Raceway était plus loin. À moins qu'on a loupé un chemin. Ça ne m'étonnerait pas de moi. En tout cas, on a sauvegardé. Donc ça, c'est cool. Non, non, Freddy. Non, non. Pour l'instant, je ne te veux pas. Je ne te veux point. Allez, voilà, lag un petit peu. C'est le plaisir de papa. Et... C'est bien le Roxy Raceway. Qui est fermé. Au final, qui est fermé. Donc, trouver un moyen d'arrêter Foxy, Roxy dans le Roxy Raceway. Ah. Je pense que ça s'en fait partie. Ça doit faire partie du Roxy Raceway, ça. Ben, je peux me tromper après. Je peux me tromper. On verra bien. Ok. Freddy, tu sais où est le Roxy Raceway ?
Ah, je l'entends faire le tour. Il va où? Me dis pas qu'il monte les escaliers. Hein. Pour une fois que tu pourrais te TP, Freddy, t'abuses, frère. Ah, mais t'abuses, Freddy. Pour une fois que tu pourrais te TP. Non, c'est vraiment fermé. Bah. Le Roxy Raceway. Ça me paraît très bizarre. Ah bah c'est là. Mais en fait c'est mal indiqué parce que t'as un truc qui devant qui t'indique le Rossi Raceway. Et ensuite c'est pas ici. Ils te disent que non c'est pas là. C'est vachement bizarre comme c'est fait hein. Honnêtement. Par contre, Freddy, je garde ta batterie vraiment en cas de secours. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin de ta batterie. Si je vois Roxy ou si je vois, je sais pas, un animatronique qui m'aiderait Roxy en alerte. Ouais, j'y songerai, tu vois. Mais là, non. Ouais. En tout cas, on est dans la bonne direction. Il y avait marqué le Roxy Race Way et tous les lags avec, bien sûr. Sinon, c'est pas marrant si on se tape pas des lags. On va voir si on n'a pas besoin de Freddy pour y aller parce que ça me paraît louche qu'on a un truc comme ça. Non non parce qu'on n'a pas un endroit comme ça pour rien. Ouais on va amener Freddy le plus vite possible. Alors, me demandez pas ce qui vient de se passer, j'ai pas compris. Mon avis, il suffisait juste de pousser, je l'avais pas fait. Par contre, j'ai entendu un cri. J'ai entendu un cri, je ne sais pas ce que c'était. À moins que c'est moi qui ai dû appuyer sur la touche pour le cri de Freddy. Il y a peut-être des chances en fait. Freddy, viens avec moi. Non, non, cache-toi pas. Honnêtement, je sentais pas ce qui vient de me choper, se passer. Mais il m'a chopé, mais il s'est rien passé. Mais honnêtement, je sentais pas. Hein. On va passer discrètement. Hein. Ok. Tout ça pour rien? Y a pas une cabine de recharge pour Freddy? Cet endroit m'a l'air très bizarre, hein.
Ouh. Très très bizarre. Mais vraiment très très bizarre. On peut descendre encore plus ? Ouais, on peut descendre plus. Je sais pas ce qui nous attend en bas par contre, hein. Je suis désolé. Il nous attend à mon avis rien du tout. Un sac, un objet ? Un endroit glauque. Rien de plus. Donc on va remonter, hein. Regardez comme c'est horrible les bruits que ça fait quand tu te trimbales dans le truc et que ça fait des bugs dans tous les côtés. C'est juste horrible. Je vous jure. Ok. Ce qu'on va faire, c'est si on... Ok, mon laser ne lui fait rien. Ouais. Ah, puis j'ai batterie faible niveau... Freddy descend. Y'a quoi dedans ? Oh ! Une station de recherche pour Freddy. Merci Freddy. On peut recharger la lampe à l'intérieur. À l'intérieur de Freddy. Est-ce que ça a marché surtout ? Ça a marché, je savais pas que c'était possible. Je trouve ça cool. Pour l'instant, rien de spécial, hein. Ok, Roxy Raceway. Trouver un moyen pour arrêter Roxy dans le Roxy Raceway. Trouver la tête de robot. Ça se trouve, elle va être dans un sac ou dans les trucs pochettes surprise. Tu vois, tu le sens comme ça, ce truc. Obligé. Une tête de robot la tête de robot manquante. Oh, ça va être rigolo, ça, de chercher ça, cet endroit, quoi. Ah, d'accord. Dégage ! Laisse-moi chercher la tête de robot ! Ok, elle a perdu, elle a pété un plomb, elle s'est barrée de l'autre côté. Tu m'as vu ? Bah voilà, tu l'as dans le... Bah dans le fion. Mais arrête de m'embêter, toi !
Où est cette tête de robot? Au pire, ça, on fera ça la prochaine fois. Je vais chercher un grand monde endroit. On va chercher à peu près partout. Et si on la trouve pas, c'est pas grave, on fera ça au prochain épisode. On va juste jeter un petit coup d'œil, hein, peut-être qu'on la trouvera sans la vraiment la chercher. Donc, une petite tête de robot. Ah non, mais je vais pas me cacher. Je ne veux pas me cacher. Je cherche une tête de robot, monsieur. Avez-vous vu une tête de robot quelque part? Si oui, franchement, faites-moi signe. Hein. Je suis très preneur d'une tête de robot. Non, je ne suis pas seul. Si tu veux, il y a Freddy avec moi, donc on peut se faire une petite bouffe un séjour. Hein. On peut se faire une de ces bouffes. Hein. Moi, ça me tente. Hein. Par contre, ce sera raclette pour moi. Hein, donc, je sais pas si t'aimes la raclette. Sinon, tant pis. Hein. Ah putain, ça se trouve, c'est là maintenant qu'il y a la tête. Là où on est descendu. Je suis en train de me dire, parce que maintenant qu'il faut chercher une tête de robot, est-ce qu'elle a pas spawn en bas? Non, parce que je pense que sinon on aurait peut-être pu la prendre en avance. Donc, non. La petite tête de lobo, de lobo, de lobo. Oh! Ah non, c'est pas ça. Oh! On a trouvé? Good job, Superstars. Mais les sous-titres qui se barrent comme ça, c'est relou par contre. Le perso me parle, si t'as vraiment le malheur de te déplacer un peu, bah tu vois plus les sous-titres de Freddy. C'est vraiment du caca boudin. De dire ça, mais vraiment... je sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez dû vous torcher avec le jeu. Ta gueule. Allez. Voilà. Maintenant, faut trouver un billet pour la piste de danse. C'est gentil, ça. Ah, faut peut-être monter là. Bon, pire des cas, de toute façon, on va sauvegarder. Et puis, on verra pour le ticket, pour la piste de danse. Hein. Maintenant, c'est trouver le billet d'entrée pour la piste de danse et amener la tête du robot à la salle d'arcade de West. Ouais, ben, le machin de la piste de danse, hein, je sais pas où tu veux qu'on le trouve. Ça se trouve, c'est peut-être là, dans l'information register. Donc on verra. J'aurai là si rien, non. On sauvegarde là les amis et on va se laisser là pour déjà cet épisode hein, qui était vachement cool. Il y aura des ellipses parce que des fois, bon ben, j'ai eu des fois des bugs où j'étais dans l'ascenseur et ça avançait plus. C'était juste horrible, juste horrible. Donc s'il y a des ellipses, c'est normal, c'est les bugs. En tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour la suite de Final Fantasy Security Bros. Allez, ciao ciao les amis.